cul. Il habite à Paris, il ira pas à la pancarte, hein. Tout le temps de petit père. Eh les gars, venez voir de style. T'as fait du stop? On le prend. Non, on le prend pas. Si, on le prend. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Désolé pour ma voix, je suis un peu malade. Je suis en train de faire la vidéo, de faire le montage. Et je me suis rendu compte que j'ai pas fait d'intro avant pour vous expliquer ce qui se passe dans cette vidéo. Parce que je l'ai eu. Je l'ai eu l'autre zégoto là, je l'ai eu. On a eu une idée, c'était de faire une vidéo où on se fait rire tout simplement. Ce qu'on fait en fait habituellement hors caméra. Vous l'avez déjà vu sur d'autres chaînes YouTube, mais on avait envie de le faire parce que c'est quelque chose qui nous fait rire habituellement quoi. Dans la vraie vie entre guillemets, quand on est dans la voiture, on fait vraiment ça. Moi je me suis dit ça serait marrant de faire des happenings pour le faire rire tu vois. Et c'est là que je contacte un pote à moi sur Insta que Gaël ne connaît pas du tout. Et je lui dis mec faut que tu joues un autostoppeur. Je vous laisse découvrir par la suite ce qui se passe. Mais sachez que ce qui se passe dans cette vidéo, au milieu de la vidéo, je suis au courant. Tom est au courant, mais Gaël n'est pas au courant. Voilà. Et ça, c'est le plus drôle. Oh! Je vais pas cracher. Bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ça va Gaël? Non. Pardon. Ça va? Non. Ça va pas? Oui. Pourquoi? Si. Ah d'accord. Je vais. Je vous présente Tom. Il est assez connu sur la blogosphère. La globo. C'est la blogosphère. Voici Gaël. Wesh. Aujourd'hui, le but de la vidéo, c'est très simple. On se fait rire. Ouais. Ça commence quand? Moi qui le dirai. Ok, c'est lui qui le dira. Ça rentre des règles. Tom a le droit de nous faire rire. On doit se faire rire, moi j'ai préparé des trucs. Mais j'ai rien préparé. Toi t'as rien préparé, donc... mais toi t'es un bon en impro, ok? On va voir. C'est parti. On y va. On fait une règle, dans tous les cas Mathis a perdu, ça va ou pas? Ouais, ça okay, c'est pas vraiment une règle. Le mais... sourire, on a le droit de sourire. Oui, on a le droit faut de sourire. Faut juste pas péter quoi, faut pas éclater de rire. Pour Mathis. Vous avez le droit de péter pour faire rire l'autre, mais je veux dire, faut pas éclater de rire. Ok. Et si on fait... ça va ou pas ça? Parce que tu vois, je suis malade en soi. Ouais mais... j'ai un rhume du cul et je peux pas le contrôler. Un rhume du cul. Ouais, et ça me fait tousser. Alors je décide que ça commence. Ça okay, commence ça maintenant commence. Ok. Ça commence maintenant. Avec... bouffe mon cul. Là c'est chaud là hein. Là c'est compliqué là. Non mais les gars moi je peux pas. De quoi? Moi je pourrais pas me retenir. Si on pouvait éviter de manquer de respect aux gens, peut-être okay. Que ça pas de soucis. Excusez-moi, bon. Il y a du hashish dans la valise? Non? Il y a du hashish. 1-0. Il rigole aussi. Sly! Dans mes souvenirs, t'étais pas très bon en anglais au collège. Good morning. Good Evelyn. Non, je peux te raconter un truc? Raconte-moi un truc. C'est que, alors, premier degré, alors c'est drôle, mais ça s'est vraiment passé. Hier, je vais aux chiottes. Et tu sais, je t'avais envoyé l'araignée. Oui. Je suis les chiottes. Mec, ça m'a constipé. Mais comment on fait si je m'en bats les couilles? Bah c'est pas sympa. Ah oui, mais ces histoires de constipation, moi je m'entends pas de neufion. La solitude te pèse. La solitude le pèse. Comme moi sur la balance là. Mais qu'est-ce qu'il fait là déjà? Je sais pas. Mathis, on est pas loin là. Est-ce que ce serait pas un autre? Il y a un peu de jus là-dedans là. T'es en train de t'essuyer sur ma caisse là? Non, sur mon jean. Ah, mais sur moi sur mon une bague. Il a bougé, là. J'ai failli. Oh le niveau de fatigue. J'ai fait un petit. Ouais Thierry, comment va mon copain? Mon copain Thierry. Avec lui on a fait les 400 couilles. Il y a un running gag. Il fait quoi le mec? Attends, y'a un mec. T'as fait du stop? On le prend. Non on le prend pas. Si on le prend. Wesh tu vas où? Je dois aller vers Rochefort. Vous y allez ou pas? Genre pas du tout. Vas-y.
On va pas à Rochefort, frère, on a pas le temps. On peut te déposer à un endroit. Plus près d'ici, parce que genre je dois aller à Rochefort, rejoindre les parents et tout. Ouais, mais vas-y, montre. Ça te dérange pas qu'on filme? On fait une vidéo, on est des. Enfin, je suis sur YouTube. Tu fais que taxi, un truc comme ça, non? Non. Vous allez pas me baiser quand même? Non, quand même pas. Non? J'ai rigolé. On peut essayer. Ah, il a un point, hein. On peut essayer, hein. Tu peux. Vas-y, monte. T'inquiète. Merci en tout cas. Pense à. Fais que taxi, ce taf là, le petit cul. Attendez, parce que là, il y a changement de logistique, les gars. Ça marche pas du tout. Moi c'est Baptiste. Moi c'est Gaël. Moi c'est Tom. Toi c'est quoi? Moi c'est Max. Oh, enchanté Max. Non, je sais pas que tu sois filmé. Après si tu veux on floute et tout. Non, c'est marrant. Tant que c'est pas sur des contenus bizarres. Hein. Non, c'est pas sur Pornhub genre. Ok, ça va. C'est sur Tub 8. Voilà, tel que okay. Tu me vois, j'ai une érection. Mais t'habites à Rochefort? Ouais. Qu'est-ce que tu foutais là mec? J'étais à l'aquarium de La Rochelle. Et non, ouais, mais ça justifie pas être mais en vrai j'étais au Vegas. Ouais. Bon je suis encore un peu bourré donc désolé si j'ai un peu de la merde. Et putain il m'arrive une dinguerie. Ça se sent. Ouais ça sent non. Non ça j'ai pris des chewing-gum avant. Et en gros j'ai rencontré une meuf. Par contre vous pouvez le couper à la caméra. Oui, parce que c'est une histoire perso genre. T'inquiète. Ouais voilà. Et en gros je rencontre une meuf et tout. Donc ace contact et tout, enfin là on se regarde et tout. Au final je vais dormir chez elle quoi. Genre le bail genre vraiment cool. La soirée qui dégénère mais dans le bon sens tu vois. Débouche sur un bouchage quoi. Ouais c'est ça. Et du coup elle était à Chagny, bah, c'était vers là, c'est pour ça que j'ai marché et tout. Donc on commence à faire l'amour et tout pour être poli, hein, je vais rester poli. Ce qui se passe c'est que je commence à avoir une odeur. Une odeur? Une odeur. Tu t'es chié dessus là? Non. Elle, une odeur de. Oh! Une odeur de. T'as vu que c'était chié dessus? Non, mais pire! Oh, t'as rigolé, Gaël là? J'ai fait. Non. Est-ce que j'ai ri? T'as rigolé, ouais. Okay, j'ai et je la soupçonne, les gars, je vous promets, je la soupçonne d'avoir pété. Excellent! Je soupçonne d'avoir pété. Bon, en tout cas, elle a pas déposé le paquet, ça va. Hein. Non, ça va, elle a pas déposé le paquet. Et le pire, c'est que donc je me réveille ce matin, elle était encore en train de dormir et tout, parce qu'elle t'a fait pas. Et, elle travaille où? Elle travaille dans la rue, elle m'a dit un magasin de prêt-à-porter. Mais genre, on s'est pas trop parlé, tu vois. Genre, ok. C'était surtout pour. Tu lui as bouché la bouche, quoi. Ouais, voilà, en gros, c'est ça. Okay. Et putain, dinguerie. Putain, mais il résiste ce fils de pute là. Je commence à me doucher, tu vois. Ouais. Genre, et là, du coup, je commence à vomir, tu vois. Mais vite fait, tu vois, dans la douche. Donc je nettoie et tout. Et au moment de partir, putain, je vomis, mais sur quoi? Sur son chat. Oh putain. J'ai pas ri, j'ai fait. Parce que il a vomi sur le chat. Oh non, putain. Bon, je vais boire un petit coup là pour me. Ça vous dérange pas si je peux boire dans ta voiture? C'est de quoi? De l'alcool. De Bah, c'est pas conseillé en général. Bah, ouais, mais je conduis pas donc. Pour des cuvées, c'est pas. Mais je vous fais goûter après. Bon, y'a un peu de bave et tout, mais. Ah, carré. Je bois pas non plus. Y'a un peu de moule là-dedans? Non, ouais, je sais pas. Mais vous savez où je l'ai eu? Chez la meuf. Ah. Attends, t'as volé. Tu lui as tiré? Ouais. Putain, j'allais me branler aussi. Wow. Après, si tu veux, on peut vraiment mettre le contenu sur Pornhub. Hein. Non. Macron, ta gueule. Ouais, si vous me rapprochez, ça me va. Hein. Attends, pardon. Macron, ta gueule. Excusez-moi, il habite à Paris, il ira pas la pancarte, hein. Mais faut leur dire au bout d'un moment. J'ai envie de chier, les gars. Ah, j'ai trop envie de chier. Tu peux pas m'arrêter vite fait là? Ouais, vas-y. Genre là on est bientôt arrivé, je crois que c'est l'alcool, ça m'a brassé le ventre. Ah bah, de toute façon, oui. Tu veux un bouchon de champagne? Non, j'ai trop envie de chier. Ouais. Les pousse pas trop parce qu'après, ça part. Sous la moule. Je peux m'accrocher à toi, s'il te plaît? Vas-y. Accroche-toi aussi. Ah, genre, tu caresses un peu, hein. Oh putain, faut que je m'accroche à un truc. Accroche-toi, genre. Non, mais pose-toi sur la dune, je suis en plein milieu là. Ah là il a rien. Ouais. Là il a rien. Là t'as rigolé Mathilde. Hop. Je vais aller chier derrière là-bas. Vas-y carré mec. Vas-y mec, hein, bonne journée, bon cake. Bon bah. Merci les gars. Bonne bah, de rien. Au revoir. Bon courage. Hein. Puis merci. Vous voulez des clopes Non, c'est bon. T'inquiète. Ok, bah merci. Hein. Ouais bah de rien mec. Bon courage les gars. Putain. Quel genre de gars rentre dans une caisse comme ça? Les gars, j'ai le plan de l'année. Allez, tiens-toi le cul, BG. Wouh. Incroyable. Mais tu l'as passé, tu l'as le. Que je... Oh là là. J'ai tout. Mec, c'est quoi j'ai ça? J'ai l'intégralité de ce qui vient de se passer. Pourquoi? Au moment. Et c'est chaud, hein. Bon, par contre. Excellent. Le moment est venu. C'était incroyable. Okay. J'ai fait un son, les gars. Ça dure 30 secondes. Hey, c'est le M. Ok. Je fais tout le temps des petits paix. Tout le temps des petits paix. Bon, j'avoue parfois ils sont gros. Mais c'est souvent des petits paix. Petits paix.
ça passe dans ta narine, ça hante tes nuits. Je fais tout le temps des petits pets, tout le temps des petits pets. Bon, j'avoue, parfois ils sont gros, mais c'est souvent des petits pets. Des petits pets, plein de petits pets. Tout le temps des petits pets, tout le temps des petits pets. Y'a pas de chauffage. T'es bien hein. Appelle quelqu'un au hasard. Qui voulez-vous appeler? Au hasard, fils de... Je ne répondrai pas à ça. Il est intelligent en plus. Je rigole. Il est plus mature que moi. Si Siri vous fait rire. Dis Siri, raconte-nous une blague. Quel genre de musique fait peur au ballon? La musique pop. Raconte-nous une blague. L'argent est l'un des plus vieux éléments chimiques, parce qu'ils ont une couverture. C'est de la grosse merde. Inscris-toi à une école d'humour. Pâte au pistou, pâte au pistou, pâte au pistou. Le midi, je mange des pâtes au pesto. Je savais que t'allais dire ça. Dis-moi ton plan là, dis-moi ton projet. Faut juste qu'on s'arrête à des jeunes et que je leur fasse les deux premières phrases. Hey les gars, venez voir de spi là. C'est j'ai écrit deux phrases pour un couplet. J'ai besoin de l'avis de bons jeunes. Là. Vous avez l'air de bons jeunes. Ça vaut quoi? Moi c'est Gaël. Toi c'est comment? Léni. Léni. Maxime. Nickel. Bon, vous êtes prêts? Ouais. C'est un truc sérieux ou une dinguerie? T'inquiète. C'est une dinguerie. Vas-y. T'inquiète. On monte le son. Sexuel, c'est mon pote Jules. En effet, je rêverais de lui lécher les testicules. Okay. Ça va ou quoi? On lèche les testicules ici. Tenez, on bouffe des bites. Ah, merci mon gars, t'es un bon gars toi. Allez, toi, t'es un bon gars toi. Et bisous les mecs. Bien, merci, bisous. Rire, t'inquiète. Ouais. Tu checkeras, c'est UKH. Non, je rigole. On a eu des gâteaux. Bon. Je peux voir des gâteaux moi. Il a rigolé. Il a rigolé. Bon, les gars, c'est la fin de la vidéo. De toute façon, j'ai gagné donc. T'as bon. Gagné. On lui dit? Vas-y. L'autostoppeur, c'est un mec que j'ai engagé. Ah ouais? Ouais. Ok. Si vous voulez un autre épisode, mettez-le en commentaire, comme ça on pousse le bouchon encore plus loin et on fait une vidéo juste des happenings. Mais de toute façon, il n'y aura pas de suspense, je gagnerai encore. Bon les amis, live like Jay, prenez soin de vous, on se retrouve très très bientôt dans une nouvelle vidéo. Comment il est mon cul? La prochaine vidéo, c'est un pour combien? Oui, c'est vrai. Cette fois, faut qu'on on cale. Allez, bisous. Bon maintenant, j'ai perdu, c'est l'heure du défi. Mon défi, c'est très simple. Comme vous ne le savez pas, je fais des vidéos depuis 2012. Donc voici ma première vidéo YouTube. Salut les youtubeurs, nous sommes les BBG. Hey Mathis! Hey viens! Ça fait 5 minutes que c'est commencé là. Ah bah pardon. Je fais tout le temps des petits pets. Tout le temps des petits pets. Bon j'avoue parfois ils sont gros. Mais c'est souvent des petits pets. Des petits frais et silencieux, ça pique les yeux. Ça.